test. J'éteins la lumière. Ah, désolé, fin de vidéo. À la suite pour le deuxième. Allez, on continue. Justement, sur le fait d'avoir remagnétisé le volant magnétique, et est-ce qu'on va vraiment retrouver une étincelle sur mon petit Solex? Allez, je te rapproche au plus près que tu vois ça au mieux. Donc pareil, hein, je tourne encore mon moteur à la main. Il n'y a pas besoin de faire tourner le moteur très 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 vite. Donc, pour ma part, pas d'allumage pour l'instant. Je vais essayer de mettre un peu plus de puissance avec ma visseuse. Ouais, donc j'ai un tout petit allumage, mais qui n'est pas vraiment folichon. Donc, à mon avis, ça n'a pas fonctionné. Donc peut-être il faut que je continue de magnétiser mon volant un peu plus que ça. Enfin, c'est léger. C'est léger, mais c'est déjà un petit peu mieux. Donc je pense qu'il faudrait que je le remagnétise encore un peu plus. Ouais. Donc bah voilà, bah sinon je vais tenter de remagnétiser le volant une deuxième fois. Évidemment, moi j'ai pas de chance, ça ne marche jamais avec moi tout ça. Allez, on redémonte le volant. On repose ça sur l'établi et on y retourne. On va essayer de remagnétiser une deuxième fois le volant. Alors, ce coup-là, je vais quand même tenter. Hop. De magnétiser le volant. Enfin, en fin de compte, c'est pas vraiment évident, hein, de comprendre tout ça, je vous l'avouerai, mais il faut le tenter, il faut le tester. Parce que là, je ne sais plus vraiment. Ben, quelle est l'origine de la panne, on va dire. Donc, soit c'est ma bobine primaire, soit c'est mon volant magnétique qui manque de magnétisme. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, ça consomme du courant, ça doit être bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on arrête. On replace ça de l'autre côté. Voilà. Et là, on va retenter, sinon, sur les quatre pôles. Donc là, elle descend ma bobine, vous avez vu. Donc il faut que j'inverse ma polarité. Hop. Je replace la bobine pour être sûr qu'elle soit bien au bon endroit sur les parties aimantées. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Là, je lui ai mis une bonne sonnée au truc. Bon, c'est pas très chaud, je pourrais encore y aller, mais. Donc voilà, on continue à tourner. Hop. Donc là, à mon avis, mon sens de magnétisation va encore être inversé. On devrait voir la bobine qui descend. Ok. Comme prévu. Donc je réinverse mon sens. Ça c'est mon petit multimètre qu'on a marre d'être allumé, faut que je l'éteigne. Allez, on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc on va le faire. Ben, là j'en suis à 3. Ouais, enfin, bon, allez, hop, une dernière. Pour voir. De toute façon, je ne risque plus rien. On va dire, vu que je n'ai pas d'allumage. Voilà. Alors, à mon avis, la polarité va devoir être inversée. Tac, la bobine qui descend. Ok. Donc, on inverse. Et on y va pour 10 secondes. On replace la bobine. Hop. Allez, c'est parti. 1. Oh là, merde, j'ai dû faire contact avec la cosse
ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc bah là, normalement, j'ai dû remagnétiser mon volant magnétique une deuxième fois. Donc, j'espère avoir gagné en force d'aimantation, ouais, un petit peu quand même, mais à peine. Non, c'est pas violent, je vous avouerai. Si celui-là, il est bien. Allez, on retente, on retourne sur la petite Solex, sur le moteur. Voilà, donc on remonte le petit allumage, le volant magnétique. Donc ma clavette, l'emplacement, il est en bas. Voilà, on va faire gaffe de ne pas coincer les rupteurs au moment de monter tout ça. Tourner ça gentiment, hein, sans aucune force, vous inquiétez pas. Donc voilà, mon condensateur est toujours bien relié, il n'y a pas de problème. Ma masse est bien à sa place, sans souci. Et on va retenter d'avoir de l'allumage. Je vous couperai la lumière si jamais c'est assez efficace mon truc. Non, toujours pas. C'est trop léger pour que j'ai une étincelle correcte. Non, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a pas d'étincelle. Hein. Ça n'a rien fait de plus, le fait de magnétiser ou pas ma bobine d'allumage. Donc, ben voilà, ça doit être certainement mon... Ça doit certainement être, du coup, oui, je disais, ma bobine d'allumage, en fin de compte, hein, qui est foutue à l'intérieur, hein, de mon petit Solex, parce que bon, bah, j'ai déjà réussi à avoir de l'étincelle avec, hein, je vous le cache pas, avec du coup des petits condensateurs électroniques, comme vous connaissez déjà un peu, je pense. Donc voilà, j'en ai testé plusieurs modèles différents qui n'apportent rien. Au niveau de la qualité de l'étincelle. Donc bah voilà, du coup c'est dommage, mais donc bah non, c'est pas une vidéo concluante sur le fait de remagnétiser ce fameux volant. Mais bon bah, si vous regardez ma vidéo et puis bah, vous avez eu ce genre de problème, vous pouvez me conseiller à votre tour, hein, parce que moi aussi je suis je prends tous les conseils, on va dire, de par-ci et de par-là, quoi. Enfin, c'est vraiment pas des choses qu'on peut voir de nous-mêmes, qu'on peut comprendre de nous-mêmes. Donc des fois on a besoin d'aide aussi, tous. Donc sinon, ce que je vais regarder, c'est combien de volts en alternatif, encore une fois, en volts alternatif. Voilà. Combien j'ai de ressorties. Et bien sur mon circuit primaire, voilà. Je me rebranche sur ma sortie primaire, ma masse sur ma masse. Voilà. Donc là, je mets la fonction maxi pour avoir la valeur maximum qu'on pourra atteindre. Et je vais tourner à la main encore une fois. Ouais, je le pose là, ça va être mieux. Donc voilà, ça n'a rien changé. Je me retrouve avec 1,4 V alternatif en tournant le volant magnétique à la main, mais ça ne donne pas assez d'étincelles, malheureusement. Bon ben voilà, vidéo non concluante, désolé. Bon allez, sur ce, ben, je vous laisse et j'espère que certains auront des petites solutions à me refourguer. Il n'y a pas de souci, je suis preneur. Bon allez, sur ce les amis, bonne continuation, à bientôt.